Salut à tous et à toutes, c'est Regine, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous savez, hier je vous ai posté une vidéo que vous avez devant les yeux, là, voilà, ici, bonjour, qui s'appelle « Vous m'aimez, pourquoi ?» Voilà, d'ailleurs j'ai fait une petite faute dans la miniature, bon, on s'en fout. Mais en fait, si vous voulez, dans cette vidéo, je vous demandais tout simplement de me dire en fait ce qui vous plaît le plus sur ma chaîne, si c'est parce que je suis actif ou c'est mes vidéos, enfin, je vous ai demandé de me dire sincèrement qu'est-ce qui vous plaisait sur ma chaîne. Et du coup, alors je crois qu'on a eu pas mal de commentaires parce qu'en fait je les ai tous likés et tous adorés, mais je les ai pas tous lus. Parce qu'en fait j'en ai lu que deux. C'est simple, j'en ai lu que deux parce que je vous avais dit hier que j'allais garder, on va dire, les commentaires justement pour la vidéo. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis des cœurs et tout, mais je les ai pas vraiment lus en fait. Je suis passé comme ça. J'en ai lu juste deux. J'ai lu celui-là de Tixo et un autre. Non, je sais plus c'était lequel, mais bref. Donc on va aller sur la vidéo du coup. Après. Chut. Tais-toi, tais-toi. Donc c'est parti. Donc déjà merci hein, pour tous les commentaires. Logiquement, je crois il y en a. Tout à l'heure quand j'ai été voir, il y en avait 12. Ah, il y en a 22. Ah ouais, non, d'accord, oui, ok, j'ai complètement confondu. Ok, d'accord. Bon, du coup c'est parti les gars. On va se voir 22 commentaires. Putain. Bon, la vidéo va peut-être être longue ou peut-être être courte, je sais pas. Mais en tout cas voilà. Donc c'est parti les gars. J'espère que c'est pas des très longs commentaires. Je crois qu'il y a des très longs commentaires. Donc c'est parti. Alors premier commentaire de Broly Gamer TM qui nous dit. Je me désabonnerai jamais de ta chaîne. Ça fait plaisir. Merci Broly. Voilà. Et voilà, voilà, j'en ai marre. Merci Broly, en tout cas, ça fait plaisir, mais ça répond pas à ma question. Et oui, ça répond pas à la question de qu'est-ce qui vous plaît le plus sur ma chaîne. Donc, tu es disqualifié. Ensuite, deuxième commentaire qui nous vient de Tuto Clash Royale, qui nous dit j'aime tes vidéos, car t'es cool, gentil, j'aime bien quand tu rages en insultant. Les cartes, tes vidéos sont régulières, t'es le meilleur. Bah écoute, merci à toi Tuto Clash, Tuto Clash Royal, je vais t'appeler Tuto Clash hein, comme ça, voilà. Tu vas faire des Tuto Clash et tout, tu vas insulter des mères et tout. Non, franchement, merci à toi, et c'est vrai que bah, j'essaie d'être le plus actif possible. Après, des fois c'est vrai que j'ai pas trop envie de faire des vidéos, ça dépend des jours, des fois j'ai pas du tout envie. Mais voilà, mais sinon, généralement je vous en fais tous les jours des vidéos. Et t'aimes bien quand je rage. Mais ça je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien quand je rage et j'insulte les cartes comme ça et tout. Mais bon, après voilà, je suis comme ça, c'est naturel. Et puis voilà, mais je suis comme ça. Putain. Ensuite, autre commentaire qui nous vient encore de Broly Gamer qui nous dit j'aime tes vidéos, les styles de tes vidéos, t'es cool, tu rages pas trop, t'es le meilleur. PS, tu pourrais faire un clan secondaire. Pour les autres qui ne peuvent pas venir dans le premier clan. Bah déjà merci encore pour ton deuxième commentaire du coup. Ensuite crée un clan de quoi? Je sais pas si, de quoi tu parles. Je sais pas si tu parles de Supercard ou si tu parles d'un autre truc. Donc c'est pour ça, dis-moi dans les commentaires. Dis-moi dans les commentaires de cette vidéo au pire et je te répondrai au pire dans les commentaires de cette vidéo. Et enfin dans la vidéo que je suis en train de tourner là, je te répondrai dans les commentaires, mais redis-moi ta question genre bien, parce que du coup là j'ai pas trop compris, tu parles de clan, et t'as dit que je rageais pas trop. ça reste à voir, parce que vous pouvez demander à Tixo, je rage très souvent. Donc non, ça c'est pas vrai, ça je rage beaucoup, je suis un très gros rageux. Ensuite, un commentaire de WW Ryan qui nous dit, puisque je te kiffe de ouf, quoi? Ah, puisque je te kiffe, oh là là, oh putain. Laissez-moi, je suis bourré, excusez-moi. Bah merci en tout cas, ça fait plaisir que tu me kiffes de ouf et que bah, tu dises que je suis actif parce que oui, effectivement, je suis. C'est pas pour me jeter des fleurs à moi-même, hein, mais je suis actif, effectivement. Donc merci à toi en tout cas, Ryan, ça fait plaisir et je sais qu'en ce moment tu mets beaucoup de commentaires sur mes vidéos et t'es très actif. Donc je te remercie énormément et puis voilà, ton commentaire m'a fait plaisir. Voilà. Ensuite, ah ouais les gars, je sais pas parler. Un commentaire de Monsieur Alès. Je vais t'appeler Monsieur. Voilà. Je t'adore. T'es l'un des meilleurs YouTubers WW Supercard. J'adore ton style de vidéo. Tu es jamais grossier avec nous. Donc voilà pourquoi je t'aime bien. Tu es poli BG. Bah écoute, merci déjà pour ton commentaire. Après, je suis pas grossier. Effectivement, je suis pas grossier avec mes abonnés. Avec mes abonnés, je suis pas grossier. Mais je suis. J'insulte, dès qu'il y a des mecs que j'aime pas, je les insulte. Et ça, c'est je sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Mais en tout cas, dès qu'il y a, par exemple, si là, il y a un mec qui rentre dans ma chambre et tout, on s'embrouille, tu vois. Enfin, je dis une connerie, enfin bref, enfin, c'est un exemple de merde, mais enfin, c'est même pas un bon exemple d'ailleurs, bref. Mais en gros, dès qu'il y a une personne que je n'aime pas, je l'insulterai. Voilà, dès qu'il y a une personne que j'aime pas, je l'insulte, c'est naturel, et puis voilà, c'est comme ça.
Mais en tout cas, merci. Bon, en tout cas, de dire que bah, je suis l'un des meilleurs youtubeurs supercard. Bah, je pense pas non plus être l'un des meilleurs youtubeurs supercard. Mais ça fait plaisir que tu penses ça, que tu le penses. Ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir que tu penses que je suis l'un des meilleurs youtubeurs supercard. Bien sûr, je pense que tu parles des youtubeurs supercard français. Parce qu'en anglais, ouais, c'est vrai qu'il y en a des très bons youtubeurs supercard anglais. Mais je pense qu'en français, tu parles de moi. Donc, merci. En tout cas, ça fait énormément plaisir. Et puis voilà. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de poli. Merde, je voulais roter, mais bon, ça c'est vrai que putain. C'était pour être drôle, tu vois. Ah! Ensuite, un commentaire de Valentin D qui nous dit: j'aime bien ta chaîne car tu es actif, tu es drôle et aussi tu es naturel sur tes vidéos. Et j'aime bien le contenu qu'il y a sur ta chaîne. Bah écoute, ça fait énormément plaisir ton commentaire parce que c'est exactement ce que je veux en fait, c'est être bah, le plus naturel possible, le plus drôle possible et le plus actif possible. Donc en fait là t'as cité les trois trucs que je veux faire simplement sur toutes mes vidéos à chaque fois, c'est d'être le plus naturel possible. Je tiens à vous préciser les gars, je suis tout le temps naturel dans mes vidéos. Genre je suis pas le genre de mec, tu vois, genre par exemple demain genre j'ai un problème un grave problème de famille et tout. Et genre après genre le jour même, tu sais, je fais une vidéo genre en mode hey, salut tout le monde, salut les copains. Non 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 les gars, non, je suis pas comme ça. Moi si demain je déprime ou quoi, bah je vous ferai une vidéo où je vous en ferai pas, mais je vous en ferai une en mode déprimé, tu vois, genre vraiment le plus naturel possible. Enfin c'est un petit exemple de merde. Après actif, oui effectivement je suis actif. Le mec s'il jette des fleurs, t'sais. Non mais c'est vrai que je suis actif. Et après bah drôle, bah écoutez, ça c'est à vous de me dire si vous me trouvez drôle des fois. Voilà, c'est après voilà. Mais écoutez, mais merci en tout cas à toi Valentin. Et je crois que c'est toi d'ailleurs qui est à l'hôpital, je crois. Je sais plus. Bah en tout cas, grosse dédicace à toi. J'espère que tu vas te remettre bien. Voilà, grosse dédicace à toi. Et puis voilà. Ensuite le commentaire de mon bébé Tixo. Bon celui-là je l'ai déjà vu, donc c'est pas. Oh mon dieu, what the fuck, mon bébé a commenté. Non non, celui-là je l'ai déjà vu. Mon bébé Tixo il nous dit parce que t'es mon bébé. On est, je veux dire, on est en couple, non, on copule tous les jours depuis 1 an et demi. Et c'est vrai que moi et Tixo, tous les soirs, on fait l'amour. Voilà, je viens de vous dire un truc. Voilà, tous les jours, ah, tous les jours, Tixo, bam, je le mets sur le lit, bam, à direct. Oui, parce que c'est moi l'homme dans l'histoire. Alors, non, je rigole, non, bisous à mon bébé d'amour, Tixo, d'ailleurs, qui est actuellement en cours, je crois, à l'heure où je fais cette vidéo, 14 ans et quelques. Un gros bisous à mon bébé d'amour. Mon gros bébé, non, mon bébé d'abord! Ensuite, un commentaire de Syrox qui nous dit, qui du coup, oui, qui nous répond: car t'es un bon gars, tu es actif et surtout tu es drôle. J'adore tes délires avec Tixo et aussi avec. Ah oui, le Zwins! Ah oui! Zwins, Zwins! Tu t'en souviens? Oui, tu vois. Hashtag au revoir. Au revoir, en fait, pour ceux qui savent pas, hashtag au revoir, en fait, c'est André le Géant à la fin d'un truc à l'époque, hein, avec face à face avec. Comment il s'appelle? Kurt Angle? Non, mais non, qu'est-ce que je dis? Avec Hulk Hogan, pardon. Il était en face à face avec Hulk Hogan, André le Géant, lors de la signature du contrat pour avoir le match à WrestleMania, je sais pas quoi. Et en fait, André le Géant, en regardant droit dans les yeux Hulk Hogan, il fait. Au revoir. Il parle français avec sa grosse voix chelou, il fait au revoir. Et du coup, c'est un délire avec moi, Tixo et Syrox. Donc voilà. Mais gros merci à toi, Syrox. Et puis voilà, toi aussi. C'est vrai que toi, avant, quand il y avait l'histoire de 4 Fortim et tout, c'est vrai que t'étais chiant. Car, de toute façon, ça, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Et c'est vrai que depuis qu'on se reparle, t'es moins chiant qu'avant et t'es grave sympa. Je te le dis, franchement, moi, je t'aime bien. Donc c'est cool. Et merci à toi, Syrox, pour ce commentaire. Ensuite, un commentaire d'Antoine. Ah, Antoine. Ah, ça, lui. Les gars, d'ailleurs, je vous en parlais et enfin, j'ai envie de faire de la pub pour tout le monde parce qu'en même temps, je fais monter les pseudos, donc logiquement, c'est un peu de pub. Mais lui, juste après avoir lu son commentaire, je vais faire un truc. Franchement, le contenu, tu es actif, ta voix, les miniatures, t'as toujours été sincère. Voilà. Bah, merci en tout cas. Merci pour ton commentaire. Par contre, pourquoi ma voix? Mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont dit que ma voix vous plaisait. Mais, enfin, vous plaît, ou vous plaisez, ouais, je sais pas si c'est français, bref, mais ma voix, elle a rien de spécial, les gars. Mais en tout cas, merci, merci bah, ça, bah, que tu m'aimes bien pour mon contenu, pour le fait que je suis actif, pour mes miniatures, et j'ai toujours été sincère, et ça, c'est vrai. De toute façon, si j'ai un truc à dire demain sur un mec, je le dirai, tu vois. Moi, personnellement, je suis comme ça, après, moi, je m'en bats les couilles des critiques et tout, donc. Voilà, mais en tout cas, merci à toi, Antoine, et je vais vite aller sur sa chaîne, parce qu'en fait, si vous voulez, ce type, donc là, Antoine, ce type, là, là, attends, là, 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 là,
Ben, ce type, franchement, je trouve. Franchement, je vous le dis. Hein. Bien sûr, je dis pas que c'est le seul et tout à faire ça et tout. Mais je trouve que ce type, il fait des très bonnes vidéos. Il fait des très bonnes vidéos. Donc, franchement, en plus, ses miniatures sont propres. Son travail, il est très propre. C'est pas pour. Enfin, voilà, il y a plein d'abonnés qui font des vidéos et tout, voilà, que je regarde. Franchement, je vous le dis, les gars, faut pas croire. Hein. Si vous mettez des commentaires et tout, après, je vais voir vos chaînes et tout. Il faut pas croire. Moi, je suis pas un mec genre, ah, vous m'avez complimenté? Ah, merci, c'est bien. Salut. Non, non. Après, je m'intéresse vraiment à vous et tout. Là, la preuve, j'ai été voir la chaîne d'Antoine et je trouvais que vraiment son contenu était vraiment, vraiment propre. Ses miniatures sont propres. J'aimerais bien voir les miniatures. Franchement, ils sont très propres, ces miniatures. Et voilà, son logo et sa bannière aussi sont très propres. Sa bannière est très propre. Je kiffe sa bannière avec le petit Antoine WWE. D'ailleurs, c'était lui qui m'avait fait mon overlay. Donc, gros dédicace à toi encore une fois. Et puis voilà, franchement, allez vous abonner à sa chaîne. Moi, je suis abonné à sa chaîne. J'ai activé les notifications. Allez vraiment vous abonner à sa chaîne. Et puis voilà. Oh là là, en plus, regarde Supercard Team. Il a mis mon en plus sa chaise. Ça, je le savais même pas. Grosse dédicace, gros. Grosse dédicace. Grosse dédicace, Antoine. Non, franchement, gros big up à Antoine. Et puis voilà. Et merci pour ton commentaire. Ensuite, un commentaire de Jojo. Alors, Jojo, c'est la personne. C'est qui là? C'est qui Jojo? Alors, Jojo, c'est le mec qui me faisait les mêmes miniatures de temps en temps. Et en fin de compte, le mec, il me mettait que des vents. Du coup, il m'a cassé les couilles. Mais c'est toujours mon bébé de ouf et tout. Voilà, c'est toujours mon gars et au calme. Donc, il nous dit tu es très gentil avec ta communauté. Très actif. Tu fais plaisir à tes abonnés. On t'aime bien, quoi. Bah écoute, merci. Et c'est vrai que bah, j'essaie d'être gentil avec ceux qui m'aiment bien en fait. Moi je suis gentil que avec ceux qui m'aiment bien. S'il y a un mec qui, par exemple, demain il me dit ouais, t'es un fils de pute, espèce de gros lard et tout, tu vois, je l'aimerais pas, c'est normal, tu vois, personne n'aime quand on l'insulte et tout. Mais par exemple, s'il y a des mecs justement comme vous tous dans les commentaires, parce que je crois que j'ai eu aucun commentaire de personnes qui me critiquaient, mais voilà, toutes les personnes qui ont commenté dans cette vidéo. C'est des gens qui m'aiment bien et du coup bah c'est vrai que je suis très gentil avec vous et voilà je suis très proche de vous. Voilà, parce que moi je suis un mec, voilà, je suis très proche de ma communauté. Le nombre de personnes qui ont déjà voulu me parler sur en privé et tout, et je leur acceptais à chaque fois, enfin et tout. Même si des fois je mets des vents, des fois genre ils m'appellent et tout, ou ils m'envoient des messages et je réponds pas directement. Mais voilà, hein, c'est normal, enfin je suis pas non plus une star, mais voilà. C'est normal si je réponds pas. Ne vous inquiétez pas. Mais merci. Oui. Voilà, tu vois? La personne qui a dit tout à l'heure que j'étais poli, tu vois, je retends vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on se tape? Non. En tout cas, merci Jojo pour ton commentaire, ça fait plaisir. Et puis voilà, gros big up à toi aussi. Et puis voilà. Ensuite, un petit commentaire de. Enfin, un petit commentaire. Un commentaire de Yacine. Oh, putain, comment je galère, wesh. Un commentaire de Yacine qui nous dit: GG, moi je kiffe tes vidéos car. C'est sur la WWE. Et moi j'adore la WWE. Et aussi tu sors tout le temps des vidéos 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours? Ah, tu veux dire que je sors 2 ou 3 vidéos par jour à chaque fois. Bah c'est vrai. C'est vrai que je sors beaucoup de vidéos par jour. Bah, généralement ouais, c'est 2 ou 3. Et encore, vous me connaissez. Franchement, pour les personnes qui viennent de me découvrir il y a pas longtemps. Et bah putain. Oh, vous avez loupé les moments où je tryhardais les vidéos. Parce que vous pouvez demander à Tixo. Et à mes anciens abonnés, pour ceux qui se rappellent, vous pouvez demander à Tixo surtout. Il y avait une période sur ma chaîne YouTube où je sortais des fois 7 vidéos par jour. Et c'est vraiment vrai. C'était des vidéos, je sortais 7 vidéos par jour. Genre des fois 5, 7 vidéos par jour. Et vous pouvez demander à Tixo ou à mes anciens abonnés, genre je devais avoir 500 abonnés ou même pas, je sais pas. Vous pouvez demander, je sortais 7 vidéos, 5-7 vidéos par jour. Et c'était vraiment une bonne période. Mais en tout cas, merci à toi pour ton commentaire. Et c'est cool que tu kiffes la WWE parce que c'est un peu le but de ma chaîne, même si des fois je fais du Fortnite. Enfin, je fais des petites vidéos sur les jeux, même si ça fait pas de vues et même si ça a pas l'air de énormément vous plaire. Mais écoutez, moi ça me fait plaisir de faire ça, donc je continuerai à en faire. J'ai plein de projets de faire des vidéos sur Infinite Warfare, genre bientôt FIFA 18, donc je ferai du FIFA 18 et tout. Mais bien sûr, la WWE sera toujours le centre. Le sujet principal de ma chaîne, voilà. En tout cas, gros merci à toi Yacine et ça fait plaisir de voir ton commentaire et puis voilà. On a encore beaucoup de commentaires là. Oh là là, on en a encore quelques-uns. Vous êtes chiant, mettre autant de commentaires le Non, je rigole. Bon allez, un petit commentaire aussi de Antoine Soudé. Voilà, on peut dire que lui c'est quelqu'un de très soudé avec les gens. Et très soudé. Ouais, non c'est pas. Ouais. Ok. Ouais, j'aime bien tes vidéos. Surtout quand tu rages et que tu commences à chanter en insultant les cartes et je trouve que t'es régulièrement quoi? Que t'es régulier sur tes vidéos. Putain mais. Non mais les gars, dites. Franchement j'ai un problème. J'arrive pas à parler aujourd'hui.
Je me dis qu'il a mort, ça tourne mal l'explication, je vais mettre ça en titre. Non. En tout cas, merci déjà Antoine pour ton commentaire. Et quand je rage, je chante en insultant les cartes. Ça, c'est vrai que je le fais de temps en temps. Mais c'est pour rigoler, tu vois, c'est quand j'ai vraiment le seum, par exemple, je dis une connerie, genre là, je pioche Naomi encore une fois. Bah, j'aurai tellement seum que je vais faire ouais, c'est cool, on a eu une grosse pute. Voilà, c'est des petites chansons comme ça. Mais écoutez, les gars. Je suis musicien dans l'âme, voilà. En tout cas, merci à toi Antoine et ça fait plaisir. Et c'est vrai que mes vidéos, bah, de toute façon, vous êtes tous d'accord pour dire que mes vidéos, enfin que je suis très actif sur YouTube et voilà, vous êtes tous d'accord pour ça, donc ça fait plaisir et voilà, c'est cool. Et merci à toi Antoine Soudé. Merci en tout cas. Ensuite un gros commentaire de, oh putain t'es chiant. Putain Enzo t'es casse-couille. Bon allez. Alors les gars, attendez, je bois, pour la peine je bois un petit coup parce qu'on est quand même à 15 minutes de vidéo. Je bois un petit coup les gars. Hop. Allez, hop. C'est parti. Alors. Attendez, j'avale ma salive quand même parce que tu vois quand tu bois. Bref. J'aime car tes vidéos sont trop bien. Tu n'as jamais été méchant avec moi, des fois, t'es marrant. Moi, je suis fidèle à toi. Tu te rappelles de ton live où. Quoi? Quoi? En tu t'en soutenant. Ah oui! Oh, je me sens. Oh oui! Ah, mais ça date ça! J'avais fait un live en fait, si vous voulez, où je me sentais pas bien parce que j'avais vu une vidéo qui m'avait vraiment dégoûté. Et du coup, j'avais fait un live juste après pour me changer d'idée, mais j'étais vraiment dégoûté, mais vraiment! Genre, c'était une vidéo, genre justement, où on voyait des animaux se faire tuer et tout, mais dans les abattoirs et tout, franchement, j'étais dégoûté, tu vois, parce que moi, oh, je vous jure, les gars, quand ça parle des animaux, je suis vraiment une meuf, tu vois. Genre, je suis vraiment fragile, tu vois. Mais ouais, j'avais lancé un live et effectivement, il était venu. Mais ça fait plus longtemps que tu me parles, Enzo. Enfin, ça fait plus longtemps que t'es là. Mais ouais, c'est vrai, c'est cool. Mal, et je parle de ça car c'est des moments qui m'ont marqué sur la chaîne. Bref, oui, je remercie, pardon, tous les marabouts. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Oh putain, je sais plus parler. Je suis le petit marabout. Bref, je t'aime. 2 ans sur ta chaîne, c'est énorme. Ouais, écoute, merci à toi, Enzo. Et c'est vrai qu'Enzo, c'est un de mes abonnés les plus actifs. Mais largement. Le mec, il est là depuis je sais pas combien de temps. Le mec, bah, il vient de dire qu'il est là depuis 2 ans. Le mec est là, mais vraiment tout le temps. Tout le temps. À chaque vidéo, il y a un commentaire de lui à chaque fois. Le mec est tout le temps présent. Il est al. Le mec, il est al. Le mec, il est tout le temps là. Et franchement, je te remercie énormément, Enzo, parce que. Voilà, tu vois, c'est les commentaires comme ça qui me font plaisir à chaque fois de voir. Bah, parce que à chaque fois, tu mets des commentaires en mode ouais, c'est une bonne vidéo, ou je t'aime, ou des trucs comme ça, tu vois, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires comme ça. Et voilà, c'est pour ça que moi, je comprends pas les youtubeurs qui demandent des pouces bleus et des partages. Ça vous suffit pas, les commentaires, de vous abonner en mode ouais, ta vidéo est super et tout. Ça vous suffit pas, vous devez. Mais je comprends pas, moi, les gens comme ça qui demandent des pouces bleus et tout. Moi, je sais qu'à la fin de mes vidéos, enfin, ma fin de vidéo, je dis tout le temps, vidéo pour jouer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde, c'est Rémi, vidéo pour jouer, et machin, machin. Je vous dis tout le temps ça, mais parce que c'est une phrase que je dis depuis 2 ans. Et maintenant, je l'ai tout le temps à la tête. Je me vois pas demain faire une vidéo en mode à la fin, ouais, salut à tous, vive pour jouer, au revoir. Tu vois, j'ai pris l'habitude de dire ça en fait, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, enfin voilà. J'ai pris l'habitude. Mais je comprends pas les gens qui disent, ouais, à 15 000 pouces bleus, je referai une vidéo comme ça. Ouais, nique ta race, gros fils de pute, oh, ça ouf lui. Ouais, tes abonnés, ils te mettent des bons commentaires, je vise personne bien sûr. Enfin, quelques-uns, mais dans ma tête. Mais genre, les abonnés, tu vois, ils mettent des bons commentaires. Et les gens, ils veulent tout genre plus, genre des objectifs de like et tout, je comprends pas. Mais bref, en tout cas, merci à toi, Enzo. Et ça fait plaisir. Et je n'ai plus de salive dans ma putain de bouche. Enfin, si, justement, j'arrête pas de parler du coup, donc c'est chiant, mais bon. Ensuite, un commentaire de Jérémy64 qui nous dit, je t'aime bien, la vérité, WWE Supercard, je kiffe, c'est tout. Bah écoute, merci pour ce message très court, mais ça veut tout dire, c'est que tu aimes bien mes vidéos Supercard et que tu m'aimes bien, tout simplement. Donc tu m'aimes bien et tu aimes mes vidéos Supercard, donc c'est plutôt cool, c'est net, précis, cash, bra. T'aimes bien mes vidéos Supercard et tu m'aimes bien, donc c'est très cool. Et merci à toi pour ce petit commentaire, Jérémy, et ça fait plaisir. Ensuite, un commentaire de Gangi Goku, on va t'appeler Goku. Hein. Moi je te kiffe parce que ta chaîne est centrée sur la WWE. Bah déjà, merci aussi pour ton commentaire, à toi aussi. Et c'est vrai que oui, ma chaîne.
Elle est centrée, oui, sur la WWE, mais après, de temps en temps, je fais des petites vidéos en dehors de la WWE. Genre, comme je vous ai dit, bientôt, à Noël, j'aurai FIFA 18 et j'aurai Dead by Daylight, logiquement. Pour ceux qui connaissent pas Dead by Daylight, je vous conseille vraiment d'aller voir des vidéos parce qu'ils sont terribles. Mais voilà, j'aurai Dead by Daylight et tout. Et donc, je vous ferai logiquement des vidéos dessus. Même si ça vous plaît pas, même si vous ne regardez pas, voilà, moi je m'en fous. Les personnes qui seront intéressées, bah, ils s'intéresseront. Et puis voilà, mais moi je vous ferai des vidéos comme ça. Wow, c'est quoi le délire? J'ai failli roter encore une fois. Mais en tout cas, voilà, oui, ma chaîne est principalement concentrée sur le catch. Mais voilà. Merci à toi en tout cas, beaucoup, pour ce message et ça fait énormément plaisir. Du coup, il nous manque 3 commentaires. Oh putain! Raging alias Adrien, the best and the king of Raging. Par contre, t'as pas respecté mon nom, Enzo. Hein. T'as mis à Raging, t'as mis un N. Ça fait rage, hein. Ça fait rage, hein. Bravo, hein. Bravo. Le mec, je vous disais tout à l'heure qu'il me suivait depuis à peu près, ouais, comme il a dit, 2 ans et quelques. Hein. Il sait pas écrire mon pseudo. Voilà. C'est pour ça, en fait, je vous ai menti, c'est un abonné méchant. C'est un abonné méchant. Ah oui, je tiens à préciser pour ceux qui sont encore là, la vidéo, qui sont encore déterminés de voir 20 minutes et quelques de vidéo. Déjà, je vous remercie. Et je répondrai pas à vos commentaires, genre en écrit. Mais je vous réponds là à vocal à la vidéo, donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Mais en tout cas, merci en tout cas pour ton petit commentaire, encore une fois, Enzo. Raijin alias Adrien. Et ouais, pour ceux qui savent pas, je m'appelle Adrien, voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Mon prénom c'est Adrien, donc voilà, pour ceux qui savent pas, voilà. Ensuite, avant-dernier commentaire, enfin, deux derniers commentaires du coup qui viennent de la même personne, mais avant-dernière. Avant. Ouais, putain, j'arrive plus à parler! Avant-dernière. Avant-dernière. Mais. Avant-dernier commentaire qui nous vient de. On t'appelait Jean-Claude. J'aime bien ta voix. Voilà. Ma voix. Non mais arrêtez avec ma voix, elle a rien là! Mais tu sais quoi, je vais parler bizarrement. Non, en fait, genre, je la flippe. Ta voix et tu me fais rire et à chaque jour, tu te casses le cul. Le cul. Le huc. Ah oui, le huc. Oui, bah oui, le cul. Pour minimum 2 ou 3 vidéos par jour et toi et surtout, je kiffe, pardon. Putain, j'arrive pas à parler, je vous déteste, voilà. Vous avez pas qu'à mettre des longs commentaires aussi, je vous déteste. Vouloir jouer à fake. À... Putain, j'arrive plus. Sur Fortnite et tu mérites et GG pour tes abonnés, poto. Non mais, les gars, déjà merci énormément pour ton commentaire, Jean-Claude. Jean-Claude. Et merci énormément pour ton commentaire, gros, ça fait énormément plaisir. Et puis c'est vrai que je me casse le cul à faire 2 ou 3 vidéos par jour, mais ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et en plus, je fais pas trop de montage, moi, donc j'en ai pas beaucoup besoin de faire de montage, donc c'est cool, tu vois. Mais par contre, oui, donc j'allais vous dire avant de remercier du coup Jean-Claude. Jean-Claude, et bah j'arrive pas à parler aujourd'hui, j'arrive pas. Vous voyez de comment je galère pour lire quand même? C'est fou ça! Alors d'habitude, j'ai aucun problème, mais là je galère. Bref, et du coup, le dernier commentaire qu'il met encore de Jean-Claude qui dit la vérité, ta voix, je kiffe. Mais arrêtez avec ma voix, arrêtez! Elle a rien ma voix. Vous voulez que je fasse sa voix virile? Oh pardon, on dirait putain, j'allais viser quelqu'un, mais non, miskine, après il va pleurer et tout. Mais il va pleurer, il va dire: Oui, t'as vu comment il est avec ses abonnés, il est pas gentil, putain. Bah, déjà, t'avais pas qu'à voler mes idées de vidéo et mes miniatures, enfin, et mes conseils, enfin, bref, ça c'est une autre histoire, hein, mais bon, ça c'est un abonné qui en fait me suçait. Enfin, je vais vous expliquer en gros l'histoire. C'était un abonné qui. Comment dire, tu vois, moi j'aime bien les abonnés, tu vois, qui viennent vers moi, qui me parlent et tout. Mais lui, c'est un abonné qui venait vers moi, mais en fait, pour un but principal, c'est de passer dans l'une de mes vidéos pour en gros que je lui fasse de la pub. Et oui, et ça, je déteste ça, parce que je déteste, tu vois, moi si j'ai envie de faire de la pub à quelqu'un, comme Antoine par exemple, tu vois, il m'a rien demandé, hein, et c'est moi qui lui fais de la pub, tu vois. Mais lui, il forçait, il voulait passer dans une vidéo Fortnite avec moi. Ce que j'ai toujours accepté, enfin, je lui ai dit oui, d'accord, on en fera une et tout, mais en fin de compte, on n'a jamais fait. Et en fin de compte, bah, le mec, il a commencé à faire des vidéos comme moi et à voler mes titres en mettant en majuscule avec les égales et tout, les FR et tout. Ah, moi, je déteste, tu vois, parce que je suis pas le premier à créer ça, mais je déteste, tu vois, quand mes abonnés, enfin, ils s'inspirent vraiment de moi, mais genre à fond, mais vraiment 100%, tu vois, parce que s'il y a des abonnés à moi qui font par exemple demain un quiz qui, enfin, un qui est WWE par exemple, ou des trucs comme ça. C'est pas moi qui ai eu l'idée, donc faites-le, franchement ça me dérange pas. Mais les mêmes miniatures que moi, les mêmes logos pluie, enfin que moi, enfin les mêmes titres, pardon, que moi. Et sur son overlay par exemple, il mettait pareil que moi. Enfin, il faisait pareil que moi, enfin bref. Mais ouais, c'est fini ça, donc voilà. Le mec, je l'ai bloqué partout, il n'y a plus de problème, vous inquiétez pas. Et puis voilà. Bah écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo. On se dit casse encore Antoine.
Mais c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Là, après cette vidéo, j'ai arrêté de parler pendant 5 heures parce que j'en ai marre de parler. Voilà, c'est pour ça qu'on va faire vite pour arrêter la vidéo. Cette vidéo, ça va être chiant à la mettre en ligne. Je vais la mettre justement après, enfin direct après. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, vous voyez, je dis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est une habitude que j'ai. Mais je vous demande pas, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé. Mais ça fait toujours plaisir. Mais bref, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, je dis bye tout le monde.